Fermez les yeux un instant pour ressentir toute la douceur qu'il y a autour de vous, en vous imprégnant du silence ou du chant des oiseaux. Prenez trois grandes inspirations et expirations profondes pour évacuer tous les blocages et les peines qui vous encombrent. Maintenant, installez-vous confortablement et laissez-vous guider par les mots, les ondes et le souffle de la vie. Prenez le temps d'allumer votre lumière intérieure, celle qui s'éteint parfois quand la peur prend le dessus. Faites grandir en vous la lumière remplie de vie. Osez remettre de la brillance dans votre vie et dans votre cœur en ressentant votre propre énergie et vos émotions. Sont-elles à leur place? Est-ce l'ego qui vous gouverne? Maintenant, posez votre main gauche sur votre tête et prenez conscience de votre être. Votre tête est la manifestation de toutes les connexions nerveuses qui génèrent le mouvement de la vie. Elle est l'ancrage du soi. Elle est le lieu où sont réunies vos capacités extrasensorielles et votre mental. C'est à vous de décider avec lequel des deux vous allez gouverner. Par la simple demande, vous pouvez identifier vos blocages. Par la persévérance, vous pouvez les transformer. Par vos mains, la lumière divine extérieure vient pénétrer votre boîte crânienne afin de dissoudre tous les blocages et ressentir une détente complète et idéale. La sérénité et la limpidité coulent maintenant dans votre corps tout entier.
Maintenant, votre main descend le long de votre visage afin de retrouver la chaleur de votre poitrine et la puissance de votre cœur et de l'amour. Laissez un instant votre main à cet endroit pour sentir les pulsions de votre grand tambour. Le cœur donne la cadence de la vie, le rythme, la mesure, l'accélération du temps et le fluide à chacune de vos cellules. C'est à vous de vous tourner vers ce sentiment merveilleux qu'est l'amour inconditionnel. Le cœur est le réceptacle de la félicité, de la joie et de l'extase si votre couple veut bien l'accueillir. Êtes-vous prêt à recevoir ces sentiments merveilleux? De nouveau, la lumière divine et l'amour inconditionnel passent alors, dès maintenant, par votre main pour aller nourrir votre cœur et nourrir chacune de vos cellules afin qu'elles se réveillent ensemble et que le voile de l'illusion tombe. La lumière inonde votre être tout entier. Votre main continue son chemin pour se loger sur votre ventre. Prenez le temps de ressentir la vie sous votre peau. Il y a des mémoires, des émotions qui résident encore. Parfois, elles sont un peu vives et je vous invite à les identifier.
Votre ventre est plus qu'un simple tube digestif. Il est un millier d'échanges journaliers entre votre cœur et votre tête. En cela, il a une place clé dans le fonctionnement de votre vie. C'est à vous d'en prendre soin au quotidien et de lui fournir toute la sérénité dont il a besoin. Êtes-vous en accord avec cette idée? Par votre main, de la lumière pure se diffuse dans votre ventre pour apaiser et guérir les tâches et les mauvais fonctionnements de celui-ci. Par ce geste, vos cellules intérieures guérissent et vous prenez l'importance de votre corps physique. Vous êtes un corps lumineux, des pieds jusqu'à la tête, dans votre esprit et dans votre âme. Vos mains sont tournées maintenant vers l'extérieur. Toutes vos pensées, vos paroles et vos actes ont une incidence sur votre entourage dans la matière et dans l'invisible. Quand vous criez, c'est chacun d'entre eux qui vous entend. Quand vous pestez, c'est chacun d'entre eux qui reçoit cette onde négative. Quand les mots sont doux, les intentions sont bonnes et les actes merveilleux, c'est la clémence qui résonne dans tous les êtres. Quand vous aimez, c'est la bonté qui inonde vos semblables. Alors, aimez le plus possible. Admirez la beauté du monde. Respirez l'air pur. Honorez la terre car c'est dans ses pas que vous marchez. Retrouvez la paix en inspirant cette perfection qui réside dans chaque brin d'herbe, dans chaque rayon de soleil, dans chaque plume d'oiseau, dans chaque vague qui accoste sur la plage. Vous aussi, accostez sur le quai de la sérénité, ensemble, grandissons dans la paix, ensemble. Grandissons dans la paix.
Muriel Laurent, accompagnée de Maître Sananda, vous a proposé une méditation guidée par les bols de cristal.